Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de À la découverte de nos hôtels. Alors cette semaine, nous partons à la découverte de l'hôtel Crobaragnon et c'est sa propriétaire Myriam Leneau qui nous le présente. C'est un petit hôtel de 12 chambres actuellement. Nous avons un projet d'agrandir et de faire 2 chambres supplémentaires. Donc très bien situé, hein, au cœur historique de Toulouse, dans une petite rue, la rue Crobaragnon, qui est une rue aux enseignes prestigieuses. Ce qui caractérise notre hôtel, c'est en fait sa petite taille, son ambiance, son accueil. Parce que du fait qu'on est petit, ça crée un certain climat. Beaucoup de gens nous disent que ça leur fait penser à une pension de famille, avec donc une formule au petit déjeuner, formule buffet qui est appréciable. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que les chambres sont à des prix très abordables, des chambres équipées de douches, toilettes et WC, avec des écrans plats des écrans que nous avons rénovés dernièrement. Qu'est-ce qui m'a séduit ? La situation, très bonne situation. Donc, inévitablement, je veux dire, les gens ne peuvent être qu'intéressés par un petit hôtel situé au cœur d'une ville. On est à 10 minutes à pied de la place du Capitole. Il y a les métros, aussi bien la ligne A que la ligne B, qui sont à proximité. Donc, si les gens veulent rayonner, c'est très agréable pour eux. Le soir, ils peuvent bénéficier de la vie nocturne de Toulouse. Donc, en fait, il y a que des intérêts dans la situation de cet hôtel. C'est un hôtel bureau, ce qu'on appelle, donc avec petit déjeuner uniquement. Donc, les gens, s'ils veulent avoir un restaurant, il y en a en dessous. Il y a la truffe du Quercy qui est juste en dessous. Sinon, il y en a tout autour, qui avec toute une palette de choix proposés. Donc, au niveau prestations, je vous dis, dans les chambres, il y a douche, toilette et télé. C'est la prestation de toutes nos chambres. C'est un petit déjeuner. Le prix, tout d'abord, c'est important, 5 euros. En buffet, donc ça veut dire que les gens se servent. Jus d'orange, différents pains, confitures, compotes et boissons chaudes. Vous avez tout d'abord le Capitole, qui est très proche. Il y a le musée Paul Dupuis, qui est un très beau petit musée, très, très attrayant par sa multiplicité de collections. Il y a le musée des Augustins, vous avez au niveau des Carmes, il y a tout le petit quartier, des petites rues de Toulouse agréables. Vous avez tout le secteur de la Dalbade avec son église, il y a l'église Saint-Étienne qui est à 2 pas. Le quartier des Antiquaires qui est tout proche, enfin vous voyez ça fourmille de centres d'intérêt. Pour ceux qui veulent bénéficier d'espaces verts, il y a au niveau des allées Jules Guesde, il y a le Boulingrin, là, le jardin des plantes, il y a le muséum qui est tout proche, avec toute sa diversité de collections. Sinon vous avez la piscine qui est un peu, mais Léo Lagrange qui est un petit peu plus éloigné, mais bon, ça reste acceptable, on peut y aller à pied, quoi. Axer la déco sur les végétaux cultivés dans la région, donc le pastel, le raisin et la violette. Bon, pour l'instant, vous avez, dans le couloir, on n'a fait que les grappes de raisin, la décoration va évoluer, et dans les chambres également, donc voilà, je vous invite à venir voir dans les mois qui viennent, les dessins qu'on aura réalisés. Une personne, à l'heure actuelle, nous sommes à 43 euros, et pour 2 personnes, 55 ou 60. Donc, ce qui, je me répète, fait de l'hôtel un très bon rapport qualité-prix. C'était donc À la découverte de nos hôtels. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.